Salut tout le monde et bienvenue sur GHM pour parler aujourd'hui de trois petites merveilles de l'arcade. Alors le choix des mots est pas innocent, hein, puisqu'aujourd'hui il va être question de Three Wonders. Three Wonders, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est une compilation signée Capcom qui est sortie en 1991 à destination de leur hardware CPS-1 et qui regroupe trois jeux de trois genres différents, en l'occurrence du run and gun, du shoot'em up et du puzzle game. La question que vous ne vous posez probablement pas, mais où je vais quand même vous donner une réponse, c'est comment m'est venue l'idée de cette vidéo? Eh bien tout simplement il y a quelques temps déjà, alors je sais pas quand exactement, parce que vous savez, la planification des vidéos sur GHM, c'est un petit peu artisanal, on va dire. Vous avez eu droit à une vidéo sur Nightmare Busters, et je me suis rendu compte en faisant mes petites recherches pour justement concevoir cette vidéo, et bien que le jeu avait été énormément inspiré par Midnight Wanderers, qui est l'un des trois jeux justement qui fait partie de cette compilation Three Wonders. Donc évidemment, pour monter la vidéo Nightmare Busters, et bien j'ai eu besoin de faire une petite capture de Midnight Wanderers, et ce faisant, et bien je me suis rendu compte que c'était un jeu qui était effectivement une grosse inspiration, et surtout qui était vraiment très cool. Donc je me suis dit, eh ben, pourquoi ne pas enchaîner sur une autre vidéo après avoir terminé celle de Nightmare Busters qui traiterait justement de Midnight Wanderers et tant qu'à faire, bah, des deux autres jeux qui sont inclus dans la compilation. Allez, c'est parti pour la session découverte et on commence tout de suite avec le premier des trois jeux, à savoir Midnight Wanderers. On commence tout logiquement avec un point sur le scénario qui fait office de toile de fond pour ce Midnight Wanderers. Il y a bien longtemps eu lieu un terrible combat entre le bien et le mal. Au terme de ce conflit destructeur, le char de lumière fut scellé au cœur du château du démon Gaïa. Suite à cet événement, débuta une ère de ténèbres au sein de laquelle le seul espoir qui subsistait était une antique prophétie à propos de la carte de l'aube, seul artefact capable de réveiller le char. Les années passèrent jusqu'à ce qu'une nuit, un mystérieux étranger s'invite au quartier général des Midnight Wanderers avec en sa possession cette fameuse carte de l'aube. Brandissez cette carte haut dans le ciel depuis le dernier étage du château du démon et le char répondra à votre appel. Ce sera votre dernière aventure, Midnight Wanderers! Tels furent les mots du vieillard qui poussèrent le courageux duo formé par Lou et Siva à se lancer dans cette noble quête en titillant leur soif d'aventure. Une volonté farouche qui s'enrichira par la suite d'une autre motivation, puisqu'ils ne tarderont pas à apprendre par Senna, leur ami d'enfance, que la malédiction du démon a transformé tous les habitants de la ville en statues de bois. Seul espoir pour leur rendre leur apparence, le char de lumière. Voilà, prétexte trouvé pour partir à l'assaut de 5 niveaux, dont certains divisés en 2 sous-levels, pour dans l'absolu de 30 à 45 minutes de jeu afin de pouvoir boucler l'aventure. Une durée de vie assez réduite en théorie, mais rappelez-vous qu'on est dans le merveilleux monde de l'arcade. Comprenez par là que tout a été fait pour vous mettre un maximum de bâtons dans les roues. La difficulté, pourtant bien présente, est néanmoins très progressive, puisque vous pourrez traverser sans problème le premier niveau, avant de ressentir une grosse hausse du challenge dès le second. Une tendance qui se confirmera par la suite pour atteindre des sommets jusqu'au terme du périple. Plusieurs facteurs permettent de l'expliquer. Déjà, l'ajout de nouveaux membres dans le bestiaire, dotés chacun de schémas d'attaque assez basiques, mais pouvant parfois être difficiles à appréhender. On pourrait par exemple citer ces espèces de serpents invulnérables de phase, dont le seul point faible se situe sous eux, en plein milieu de leur corps. Seule solution pour en venir à bout, donc, utiliser leur déplacement pour vous placer juste en dessous, puis tirer vers le haut pour les atteindre. Un concept d'ailleurs repris plusieurs fois avec quelques autres ressortissants du bestiaire ne pouvant eux aussi être atteints que sur un seul côté. Autre registre, ces œufs inoffensifs qui n'attireront pas votre attention avant d'éclore pour vous vomir dessus un ennemi subitement devenu dangereux. Ou alors ces armes fixes balançant des projectiles pour lesquelles la méthode la plus efficace consiste à vous placer juste en dessous pour les arroser mais qui attaqueront constamment cette zone pour vous empêcher d'ajuster vos tirs. Ou encore ces espèces de mains volantes qui saisiront des éléments inertes du décor pour les utiliser comme pantin, devenant ainsi de redoutables adversaires. Bien entendu, les vagues d'assaillants seront ininterrompues, même s'il vous sera possible de détruire certains éléments pour réduire un tant soit peu la quantité d'affreux à gérer. Prises séparément, ces menaces peuvent paraître faciles à contrer, mais dans la pratique, vous aurez constamment un écran bien rempli qui vous posera de gros problèmes pour gérer tous ces charmants membres du bestiaire qui veulent votre mort. Pour reprendre l'exemple des serpents, se positionner au bon endroit et tirer au bon moment sur leur point faible sera forcément compliqué par le fait que tous les autres ennemis se précipitant sur vous ne vous laisseront pas faire. Pour ne rien arranger, le soft comporte beaucoup d'éléments un peu sadiques s'invitant dans le level design et s'appuie sur un côté plateforme très marqué pour vous en faire voir littéralement de toutes les couleurs.
dites bonjour donc au sol s'écroulant sous vos pieds ou au support rotatif sur leurs quatre faces dont l'une est mortelle avec parfois l'enchaînement de tous ces éléments saupoudrés d'ennemis bien placés pour vous contraindre à l'excellence. Et comme si ça suffisait pas, vous aurez droit à un timer affiché à l'écran en permanence qui vous prive de toute notion de prudence. Dans Midnight Wanderers, vous devez constamment avancer et prendre des risques, tant et si bien que dès le premier niveau, où je prenais mon temps pour éliminer de nombreux ennemis s'invitant indéfiniment à l'écran, je me suis retrouvé à quelques centièmes de seconde de perdre la partie faute de temps. Ajoutez à ça des boss plutôt retors dès le second niveau, et nécessitant donc une bonne mémorisation de leurs mouvements pour être vaincu, et vous obtenez un cocktail d'une difficulté plus que conséquente. D'autant plus que vous ne disposez que d'un seul droit à l'erreur avant de perdre une vie, représenté par les habits de votre personnage. Premier impact, à poil. Second impact, 6 pieds sous terre. Une caractéristique qui n'est pas sans évoquer un certain Ghosts and Goblins, du même développeur d'ailleurs. Des similitudes qu'on retrouve d'ailleurs un peu aussi dans le gameplay, avec ce feeling particulier quand on empoigne le stick et qu'on commence à jouer. Midnight Wanderers est un pur run and gun, s'appuyant sur un stick, donc, et deux boutons, l'un associé à l'attaque et l'autre au saut. Loin de devoir se contenter d'un tir latéral, le joueur peut, en combinant le bouton d'attaque aux directions du stick, tirer vers le haut et même vers le bas s'il est en train de sauter. Pas de tir dans les diagonales, en revanche, pas plus que pendant la course. Pas non plus de tir automatique, et vous devrez donc maltraiter votre contrôleur pour maximiser votre cadence. Les capacités offensives ne se limitent pourtant pas aux simples flèches disponibles en début d'aventure, et peuvent s'enrichir de nouvelles armes à collecter en récupérant des items au fil des niveaux. Pêle-mêle, on retrouve par exemple un tir rectiligne accompagné d'un autre partant vers le bas, une sorte de boomerang permettant de tirer vers l'avant des projectiles qui passent ensuite derrière le personnage, des projectiles rebondissant de manière aléatoire sur les parois, ou encore un tir explosif. S'il n'est possible de conserver qu'une seule arme à la fois, les items qui sont associés sont très bien identifiés, vous permettant de les zapper si vous préférez conserver votre armement courant. En plus de ça, vous pouvez récupérer quelques rares alliés qui fonctionnent un peu comme les options dans les shoot'em up en ajoutant leur tir au vôtre, et peuvent même être upgradés en ramassant plusieurs fois l'objet qui leur est associé. Au nombre de 3 différents, chacun est doté d'une attaque très spécifique, modifiant forcément la manière de jouer tout comme les armes. La combinaison de ces deux éléments permet d'obtenir beaucoup de variations dans le gameplay, mais attention car à chaque perte de vie, vous perdez aussi tous vos objets. Si retrouver une nouvelle arme puissante se fera assez facilement, ça sera nettement moins évident pour votre second atout compte tenu de la rareté de ses alliés élémentaires. Heureusement, vous disposez d'autres atouts dans votre manche pour éviter un destin funeste, à commencer par la possibilité de vous accrocher au-dessous des différentes plateformes tout en tirant dans cette position. De même, une sorte de dash peut à tout moment être déclenchée en combinant le bas du stick et la touche de saut, idéal pour esquiver rapidement une menace. Enfin, à tout moment, pas tout à fait, puisque si vous faites ça sur une plateforme, l'effet sera différent en vous faisant descendre de cette dernière. Côté item, en plus des armes et alliés, vous aurez droit à quelques autres bonus, à commencer par un objet vous redonnant vos vêtements, donc un point de vie, extrêmement rare cependant. Les pièces, quant à elles, n'auront d'autre but que d'alimenter votre score. Enfin, les cartes pourront, une fois une centaine collectées, vous offrir une vie supplémentaire. Bref, rien ne manque dans ce gameplay très dynamique et répondant au doigt et à l'œil. Le jeu est difficile, oui, mais précis et vous laisse seul face à vos responsabilités si vous perdez une vie ou devez carrément remettre un jeton dans la borne. Il remplit ainsi totalement son rôle dans une salle d'arcade. Délestez le joueur de ses piécettes, mais tout en douceur et sans le frustrer. D'autant que vous aurez forcément l'envie de persévérer compte tenu de la beauté du jeu avec son univers très coloré et ses décors extrêmement variés. Les environnements fourmillent de détails avec leurs étoiles scintillant dans le ciel, leurs étendues d'eau frémissant à vos pieds ou leur défilement très rapide quand c'est rendu nécessaire par la mise en scène. L'identité visuelle est vraiment très particulière avec une connotation très heroic fantasy mêlée à des éléments qui pourraient presque évoquer les œuvres de Jules Verne. Ça peut paraître étrange comme mélange, et pourtant ça fonctionne au-delà de toutes les espérances et on se prend vraiment à vouloir en apprendre plus sur cet univers. En prime, les fioritures sont très nombreuses, entre explosions incessantes, scrolling différentiel pour une impressionnante sensation de profondeur, ou tout simplement une finesse remarquable dans la représentation des décors. Les personnages ont aussi bénéficié du même soin à l'image de notre héros, qui se fend de jolies animations corporelles et faciales, et qui va même jusqu'à laisser échapper des bulles lorsqu'il se déplace sous l'eau. Le simple fait de courir vous permettra de voir ses cheveux bouger au fil des mouvements, un détail certes, mais c'est justement l'accumulation de tous ces détails qui lui confèrent ce côté attachant.
Toute proportion gardée, on peut faire le même constat pour le bestiaire, aussi varié qu'inspiré visuellement. Forcément, les boss ont eux aussi fait l'objet d'un soin particulier et s'avèrent pour la plupart très impressionnants avec leurs sprites énormes faisant passer notre propre avatar pour un lilliputien face à eux. Effet parfaitement réussi une fois encore, avec en guise de bonus quelques jolis efforts de mise en scène dès le premier rencontré où vous vous baladez sur une racine se mettant à onduler, pour intégrer directement la liste des facteurs à prendre en compte pour vaincre votre adversaire. Un ravissement qui s'applique également à l'aspect sonore, entre musique parfaitement adaptée qui forme un fond sonore plus qu'agréable, bruitage bien punchy idéaux pour supporter l'action, et même voix digitalisée quand vous vous faites toucher. Et le comble du bonheur, c'est que tout ça est possible sans occasionner le moindre ralentissement en dépit du nombre parfois indécent d'éléments affichés à l'écran. Un constat qui s'applique même lors des parties à deux joueurs. Car oui, je vous ai gardé le meilleur pour la fin, vous vous doutez bien que si j'ai évoqué deux héros dans la partie scénario, c'était pas pour rien puisque la totalité de l'aventure est jouable à deux en coopération. Une bonne manière d'octroyer au Primosoft une bonne dose de convivialité, la seule chose qui lui manquait pour intégrer la caste des top jeux. Vous avez probablement pas enchaîné la vidéo de Nightmare Busters et celle-ci vraiment à la suite, donc ça sera peut-être un petit peu moins évident pour vous. Mais pour moi qui tourne vraiment à quelques jours d'intervalle, les similitudes entre Nightmare Busters et Midnight Wanderer sont vraiment énormes, notamment au niveau du gameplay de base. Alors évidemment, il y a quelques petites subtilités qui se rajoutent et qui font un petit peu la différence entre les deux jeux, mais la maniabilité de base, elle est vraiment quasiment identique. Et d'ailleurs, Christophe Guéraud, dans certaines interviews que j'ai pu consulter, s'est tout simplement pas caché de s'être énormément inspiré de ce jeu-là. Et pourquoi s'en cacher, quand le jeu de base est aussi bon, c'est une excellente inspiration et ça a donné naissance à un excellent jeu. Et oui, excellente inspiration, puisque là on est vraiment face à une masterclass de Capcom comme ils savaient si bien les faire dans les années 90. On a un jeu qui est superbe, qui est doté d'un gameplay vraiment aux petits oignons d'une précision remarquable, qui offre un challenge vraiment ahurissant. Quand vous passez les niveaux, vous vous rendez compte que vous allez vraiment pas réussir à le terminer facilement. Le seul petit bémol, entre guillemets, que je pourrais soulever, c'est tout simplement sa durée de vie, puisque certes, vous allez mettre du temps à le terminer, surtout si vous visez le One Credit, parce qu'il va falloir beaucoup d'entraînement pour y arriver. Mais dans l'absolu, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de niveaux, et le jeu, toujours dans la théorie, évidemment, on est d'accord que dans la pratique, ça sera pas du tout la même, mais dans la théorie, vous pouvez le boucler en à peine plus d'une demi-heure, ce qui est tout de même assez court. Mais malgré tout, faut que je vous avoue que je n'ai pas gardé le meilleur pour la fin, puisque là, on est très certainement sur le meilleur jeu des trois qui sont présents sur cette compilation. Et on enchaîne sans plus attendre avec le deuxième jeu de cette compilation, à savoir Chariot Adventure Through the Sky, qui pour le coup est un shoot'em up, donc genre totalement différent du premier, mais qui a la particularité d'être lié à Midnight Wanderers au niveau du scénario, puisqu'il se déroule dans le même univers, avec les mêmes personnages, et qu'il est une suite directe de ce dernier. Donc on l'a vu, à la fin de Midnight Wanderers, vous aviez récupéré le chariot de lumière, et vous doutiez bien que vous alliez être amené à vous en servir par la suite. Et Capcom a su vous concocter un scénario pour justifier ce nouveau pan de l'aventure de Lou et Siva. L'attaque du château d'Ashtar par les légions maléfiques du démon Lar fut soudaine et inattendue. Très vite, la forteresse tomba et la princesse du royaume fut emprisonnée par les assaillants. Connaissant la légende des deux braves aventuriers qui avaient repris le char de lumière à Gaïa, la jeune femme, dans un ultime espoir, envoya Felm, une fée, requérir leur aide. Ce fut épuisé par son long voyage que la petite créature atteignit le repère des Midnight Wanderers qui goûtaient un repos bien mérité. Lorsqu'ils apprirent que des démons arpentaient toujours la terre, ils ne se firent pas prier pour enfourcher à nouveau le char de lumière et se porter au secours de la contrée d'Ashtar. Une approche originale, donc, de produire une suite sortie en même temps qui reprend le même univers, mais avec un gameplay totalement différent. Décidément, il n'y a rien qui va dans cette phrase, et c'est pourtant ce que fait Chariot Adventure Through the Sky, le second jeu de cette compilation. Bon, je pose une règle arbitraire, pour tout le reste de la vidéo, ça sera Chariot tout court. On se retrouve donc face à un shoot'em up à scrolling horizontal dans la plus pure tradition de ce à quoi nous avait
habitué Capcom, et plus généralement cet âge d'or que le genre a connu dans les années 90. Dans le maniement, les fans de shooter retrouvent immédiatement leur marque dès le début de la partie avec un scrolling forcé, des déplacements utilisant le stick et deux touches d'action. La première concerne l'attaque classique qui est assez faible en début de partie, mais peut être améliorée en ramassant des power-up au fil des niveaux. Ces derniers, dès leur apparition, changeront constamment de couleur jusqu'à ce que vous les ramassiez, vous devrez donc attendre que le bon coloris soit affiché pour récupérer votre dû en fonction de l'arme que vous souhaitez utiliser. On trouvera ainsi un tir toujours rectiligne mais plus puissant et concentré, et un wide shot qui, au contraire, couvre une très large partie de l'écran. En continuant à ramasser les bonus adéquats, vous pouvez encore booster votre attaque courante sur 3 niveaux de puissance, et même obtenir le tir simultané d'une bombe vers le sol si vous récupérez là encore le bon objet. Attention toutefois, quand vous combattez vos adversaires, à tenir compte d'une donnée importante, à savoir que vos tirs ne parcourent pas toute la largeur de l'écran, se stoppant très légèrement avant. Une information indispensable, mais plutôt rapide à assimiler pour le joueur. Le second bouton, quant à lui, autorise l'utilisation d'un super tir aux caractéristiques dictées par votre arme principale, soit puissant et concentré sur une très petite zone, soit beaucoup plus large. Une chose importante à retenir, c'est que les caractéristiques de l'arme principale et de la super arme sont inversées. Comprenez par là que si vous avez un wedge shot en tir de base, votre super tir sera concentré et vice versa. D'ailleurs, le jeu s'émancipe de l'idée reçue voulant que les boss soient systématiquement peu mobiles. Regardez celui-là par exemple. Contre lui, réussir un coup au but avec le super tir concentré est vraiment très difficile compte tenu de ses déplacements et il vaudra donc mieux l'aborder avec un autre atout dans votre manche. Mais ce gameplay comporte une grosse subtilité qui m'a personnellement beaucoup rappelé Saint Dragon, un shoot de Jaleco dont j'avais découvert la version Commodore 64 pendant mon travail de rédaction sur Flashback 90. Concrètement, votre personnage est doté d'une queue par définition placée derrière lui et pouvant elle aussi être boostée pour gagner en longueur via le ramassage d'items spécifiques. Cet appendice, loin de n'être que purement cosmétique, peut encaisser sans coup férir les tirs et même dégommer les adversaires qui auraient le malheur d'essayer de vous prendre à revers. Avec une utilisation correcte, vous pourrez ainsi parer toutes les menaces et cette possibilité changera totalement votre manière de jouer par rapport à un shoot'em up traditionnel. Mais attention, cette caractéristique atypique nécessite un temps d'adaptation pour être maîtrisée. Déjà parce qu'il faut apprendre à gérer les mouvements de votre queue qui a tendance à suivre les déplacements du personnage avec un petit temps de retard. Comprenez par là que si vous partez vers le haut, elle restera pointée vers le bas et vice versa avec la même logique pour les déplacements latéraux. C'est donc avec vos déplacements que vous apprendrez à la placer pour parer un projectile venant de derrière, voire pour frapper un ennemi placé dans vos ciseaux. Vous devrez également tenir compte d'un temps de recharge. En effet, la queue est divisée en plusieurs sections qui se détruiront au fil des impacts et nécessiteront un court laps de temps pour se reconstituer, laps de temps pendant lequel vous serez vulnérable. Par ailleurs, le soft s'enrichit d'une notion stratégique supplémentaire. J'évoquais un peu avant le super tir, mais ce que je vous ai pas encore dit, c'est que chacune de ces utilisations consomme 3 sections de la queue. Dans l'absolu, ce puissant atout offensif est donc illimité, ne nécessite pas de ramasser des items comme le supposait la plupart des shoot'em up de cette époque. Mais compte tenu du temps de recharge de la queue que j'ai déjà évoqué, utiliser le super tir induit forcément de créer une vulnérabilité temporaire sur l'arrière de votre personnage, vous contraignant par conséquent à privilégier l'un ou l'autre de ces deux aspects en fonction du déroulement des événements. Tout ça ne sera pas évident à maîtriser en début de partie, d'autant que vous aurez beaucoup d'autres choses à gérer sur l'écran. Et oui, on est encore sur du Capcom avec tout ce que ça suppose, à commencer par une difficulté plus que marquée. Les ennemis sont très nombreux à l'écran et leurs projectiles le sont encore plus, ce qui nécessite de constamment naviguer entre tout ça pour espérer survivre. Autant dire que la maîtrise de votre queue, si elle demande un temps d'adaptation, deviendra indispensable pour espérer enchaîner les stages, tout comme une concentration constante puisque la moindre erreur est sanctionnée par la perte d'une vie. Du moins jusqu'à ce que vous récupériez un bonus qui vous laissera un petit droit à l'erreur, mais compte tenu de sa présence en quantité très limitée, ce sont bel et bien vos réflexes qui seront votre meilleure arme pour survivre. Évidemment, je le précise quand même, mais toute perte d'une vie provoque la remise à zéro de tous les power-ups que vous aviez réussi à récupérer jusque-là. Toutefois, contrairement au premier volet des aventures de Lou et Siva, une partie des items en question demeure à l'écran pendant un petit moment, vous permettant de récupérer une portion de votre puissance de feu immédiatement après votre résurrection. Tant dans son challenge que dans sa durée de vie, Chariot est comparable à son prédécesseur avec une grosse demi-heure dans l'absolu, mais beaucoup plus pour espérer atteindre l'objectif du One Credit qui est synonyme
synonyme de longues heures de pratique avant de pouvoir ne serait-ce qu'entrevoir cette possibilité. Les boss viennent compliquer un peu plus encore votre tâche, littéralement infectes pour la plupart, avec quand même une belle récompense à la clé quand vous arrivez à en venir à bout, puisqu'ils vous laissent une bonne dose de bonus à récupérer en explosant. Et que dire de ce 7ème et dernier niveau, un boss rush où vous pourrez affronter tous les patrons déjà vaincus à la suite, avec entre deux adversaires de ce type, quelques courts passages d'une difficulté faisant passer le reste de l'aventure pour une promenade de santé. Tout ça pour vous retrouver face à votre tout dernier adversaire qui n'est clairement pas une partie de plaisir lui non plus. Petite originalité toutefois, les boss perdent continuellement de la vie même si vous ne les touchez pas. Dans l'absolu, si vous vous sentez l'âme d'un hardcore gamer, vous pouvez donc vous lancer le défi de les battre sans tirer une seule fois, simplement en évitant leurs tirs pendant un très long moment. Bref, pour terminer Chariot, il va falloir vous armer d'une patience absolue, être rigoureux et surtout beaucoup vous entraîner. On n'est certes pas face à un Danmaku et j'ai aucun doute que notre ami Gwenrock serait capable d'y arriver sans trop de soucis avec un peu d'entraînement, mais pour le commun des mortels, la donne est très différente. Fort heureusement, le soft peut compter sur un atout de taille pour vous pousser à cette indispensable persévérance, en l'occurrence son univers. On retrouve beaucoup d'éléments de Midnight Wanderers, que ce soit dans la patte graphique générale et la palette de couleurs, mais aussi dans le bestiaire qui nous propose de nombreux ennemis en commun entre les deux titres. Alors sur ce point, certaines mauvaises langues pourraient crier aussi clash sans vergogne par simple fainéantise de la part des développeurs, mais pour ma part, je préférais voir une manière d'assurer une certaine continuité entre les deux jeux qui se déroulent, rappelons-le, dans le même univers. Concernant les boss, le soft fait preuve d'originalité en piochant allègrement dans la mythologie grecque pour nous faire affronter notamment Éole, Hypnos, les Gémeaux, le Cancer et le Sagittaire. Une influence qui s'ajoute à l'univers déjà particulièrement riche et attachant qu'on explorait dans la première partie de l'aventure. D'ailleurs, pour rester sur les boss, en plus d'être dotés de sprites littéralement gigantesques, ils ont également la particularité de voir leur apparence se dégrader petit à petit au fil du combat, à mesure que leur barre de vie dégringole sous vos attaques. Un détail, certes, mais qui vient s'ajouter à de nombreux autres pour offrir au soft un indéniable cachet. Parmi les détails en question, on pourrait aussi citer la bande-son, qui mêle des musiques rythmées et des bruitages remplissant parfaitement leur rôle. Petit bémol cependant pour les espèces d'onomatopées associées au boss, assez peu variées, qui m'ont presque donné l'impression que les bougres étaient en train de me rôter à la tronche. Mais bon, là on est clairement dans le chipotage pour trouver quelques points faibles au soft. Car pour rester sur l'aspect technique, Chariot peut compter sur un autre argument massue avec une progression extrêmement dynamique. En plus des effets visuels, explosions et très nombreux détails présents dans des décors ultra variés, le cheminement s'est surtout alterné entre scrolling lent et rapide, vertical et horizontal, voire même vous faire passer dans des sections très exiguës nécessitant encore plus de concentration avant de vous propulser dans une zone beaucoup plus vaste. Grâce à ce stratagème, le rythme est constamment modifié et ce parti pris contribue indéniablement à tuer dans l'œuf toute sensation de lassitude chez le joueur. Et toutes ces louanges, ce spectacle de pyrotechnie et d'effets visuels, vous pourrez en profiter sans le moindre ralentissement et ce même dans le cadre d'une partie à deux joueurs. Un shoot plus que sympathique donc, pas forcément dans le haut du panier de Capcom qui a quand même placé la barre à un niveau très élevé avec d'autres titres comme Carrier Airwing, UN Squadron ou la saga des 19XX, mais une excellente expérience digne de figurer dans le catalogue du studio qui offre en prime un véritable challenge aux joueurs désireux de mettre ses compétences à l'épreuve. En d'autres termes, la recette fonctionne et la magie Capcom fait merveille, tout simplement. Bon voilà, dans cette seconde partie de la vidéo, je pense que vous avez constaté qu'il y a énormément d'éléments en commun entre Midnight Wanderers et Chariot. Même si les deux genres, Run and Gun et Shoot 'em Up, sont quand même assez différents, et ben on trouve beaucoup de similitudes, notamment dans le gameplay, dans l'enchaînement des événements, hein, notamment vous avez un boss rush sur les deux jeux, dans les ennemis également, les membres du bestiaire qu'on trouve parfois tout simplement à l'identique hein, d'un jeu à l'autre. L'univers visuel est très proche également hein, au niveau du chara-design, de la palette de couleurs, on retrouve vraiment cette petite touche commune aux deux jeux, et les similitudes vont jusqu'aux items, hein, donc évidemment ils sont différents en fonction du jeu, mais dans Midnight Wanderers, vous devez collecter 100 cartes pour obtenir une vie supplémentaire, et dans Chariot, vous devez collecter 100 cœurs pour le même résultat, donc
difficile de ne pas voir une grosse similitude entre ces deux mécaniques de gameplay. Et finalement, ces similitudes, elles sont plutôt logiques, hein, puisque quand on y réfléchit, c'est tout simplement la même aventure, le même univers, les mêmes personnages. Et cette cohérence scénaristique et visuelle entre les deux parties de l'aventure est vraiment l'une des grosses qualités de ce diptyque. Bon, si vous avez bien compté, au début de la vidéo, je vous ai parlé de 3 jeux, et là, on n'en a traité que 2, donc on va tout de suite attaquer le 3ème, qui, du coup, lui, bah, n'a strictement rien à voir avec les deux autres, au niveau du gameplay, mais aussi au niveau de l'univers et du scénario. On est donc parti pour ce 3ème jeu, en l'occurrence Don't Pull, qui, pour le coup, est un puzzle game. Le premier facteur déterminant dans le succès d'un puzzle game, c'est très souvent la simplicité de son concept et Don't Pull ne déroge pas à la règle. Vous dirigez donc un petit lapin dans des zones de jeu de taille variable avec un sol recouvert de dalles. Sur ces dalles, des blocs que vous pouvez pousser par une pression sur un bouton ou détruire par la même manipulation pour vous libérer le chemin s'ils sont placés contre un autre bloc, et qui une fois lancés vont continuer à avancer dans la limite de la zone délimitée par les dalles. Le but du jeu est de vous débarrasser de tous les ennemis présents dans le tableau en leur balançant des blocs dessus pour les coincer contre un autre bloc ou le bord de l'écran. Simple et efficace. D'ailleurs, si tout ça vous dit quelque chose, c'est très certainement que vous avez déjà joué à Pengo, un autre titre arcade datant de 1982 et duquel Don't Pull tire une grosse inspiration. Bon, évidemment, le tout revêt quelques subtilités. La première, c'est la nature des ennemis qu'on peut regrouper dans deux grosses catégories, à savoir les blobs vous fonçant dessus constamment, et des dragons qui peuvent quant à eux cracher du feu et ainsi vous atteindre à distance. Il n'est toutefois pas rare que ces malandrins aient des comportements inattendus, comme le fait d'escalader des blocs alors que vous vous pensez en sécurité, ou de soudainement augmenter leur vitesse de déplacement pour vous surprendre. Le nombre d'ennemis restants à éliminer est affiché en permanence en haut de l'écran, et tous vos antagonistes ne se retrouveront pas en même temps sur le tableau puisqu'ils étaleront leur appareil. A noter d'ailleurs qu'une fois qu'ils ne seront plus que quelques-uns dans la zone, les bougres se carapateront comme des gros lâches pour échapper à votre folie vengeresse. Libre à vous à ce moment de les laisser s'échapper ou d'essayer de finir le travail avec le risque de faire une erreur fatale dans la précipitation. En début de niveau, vous disposez de quelques secondes pour placer votre personnage et, pourquoi pas, préparer une première fournée d'élimination. Au terme de ce petit répit, vos adversaires apparaissent en sortant de bouches d'égout sur lesquelles vous pouvez placer votre personnage pour les empêcher momentanément de sortir. Ensuite, outre l'élimination classique par bloc interposé, il est également possible d'utiliser à son avantage les caractéristiques de l'environnement. Dans la plupart des tableaux, la zone d'allée est entourée d'une bordure simple ou double où passent des rochers. Si ces derniers vous seront fatales en cas de contact, il en ira de même pour vos adversaires. Compte tenu de la tendance des blobs à vous poursuivre sans relâche, le fait de les attirer dans cette zone avant de brusquement réintégrer la partie d'allée pourra constituer une bonne manière de faire rapidement le ménage. D'autant que le rocher, après avoir touché un adversaire, modifiera le sens de sa rotation. Pris en tenaille entre deux groupes de blobs, vous pourrez ainsi provoquer un véritable génocide dans leur rang si vous vous débrouillez bien. Attention tout de même, car la pratique est aussi risquée que difficile à mettre en place, mais ultra gratifiante en cas de succès. Si la majeure partie des niveaux est remplie de blocs de base, quelques blocs spéciaux s'invitent eux aussi à la fête. Ainsi, les bombes, lorsqu'elles explosent, provoquent l'étourdissement de tous les ennemis situés dans leur zone d'action qui s'étend sur quelques cases, vous laissant tout le loisir de les achever tranquillement. Enfin, tranquillement, façon de parler, hein, puisque le répit dans la pratique sera vraiment très court. Les blocs cœur, au nombre de 3, peuvent vous permettre de terminer un stage instantanément ou presque si vous parvenez à les aligner sur la zone de jeu. Les ennemis restants se transforment alors en fruits pendant un temps limité, vous offrant un gros bonus de points si vous parvenez à les ramasser avant qu'ils ne reprennent leur forme initiale. Attention toutefois, si le principe peut paraître simple, dans la pratique, réussir cet exploit n'est pas une mince affaire une fois passé les premiers niveaux. En effet, les blocs concernés sont généralement très éloignés les uns des autres en début de partie, vous contraignant à détruire beaucoup de blocs classiques pour les rassembler, tout en tenant compte de leur trajectoire, puisqu'un bloc, une fois lancé, ne s'arrêtera que s'il rencontre le bord de l'écran ou un autre bloc. Et puis, évidemment, les ennemis vous laisseront pas faire et vous devrez constamment éviter leurs attaques tout en menant à bien vos manipulations, chose très loin d'être aisée. Enfin, les blocs étoiles, une fois que vous les détruisez, laissent derrière eux des objets que vous pouvez ramasser.
Il est ainsi possible, par exemple, de trouver des items pour étourdir les adversaires, ou des fruits pour gonfler votre score, tout en vous permettant de gagner une vie une fois la dizaine de fruits récoltés atteinte. Et oui, évidemment, l'objectif principal du titre, c'est le scoring, et de nombreux éléments de gameplay viennent soutenir cet objectif. J'en ai déjà cité quelques-uns, et j'ajoute que, bien entendu, si vous parvenez à dégommer plusieurs adversaires en enfilade, vous aurez droit à une augmentation plus importante de votre capital de points à raison d'un coefficient multipliant par 2 la récolte à chaque nouvel ennemi vaincu via le même mouvement. Mais bon, avant de penser au scoring, vous devrez déjà penser à survivre. Dontpeul n'est pas vraiment un jeu facile tout en proposant une difficulté très progressive. Vous passerez les premiers niveaux sans aucun problème, le temps d'apprendre les différentes mécaniques du gameplay, puis commencerez à galérer de plus en plus au fil des stages. Et puis, au terme du 16e level, vous penserez avoir terminé l'aventure avec un message de félicitations. Mais non, vous repartirez pour 16 niveaux supplémentaires, et c'est là que les choses sérieuses commencent avec des ennemis bien plus agressifs, et des zones de jeu diaboliques dans leur conception. Et oui, le simple placement des blocs change totalement l'expérience de jeu d'un tableau à l'autre. Autant dire que cette seconde partie du jeu vous réservera un challenge très important. Heureusement, outre la collecte de nouvelles vies en ramassant des fruits, vous aurez la joie de constater qu'en cas de perte d'une vie voire d'un crédit, le jeu conservera le nombre d'adversaires déjà vaincus sur le tableau en cours. Vous pourrez donc malgré tout progresser à force de persévérance, mais alors à l'époque où le jeu était jouable en salle d'arcade, bonjour la saignée dans le portefeuille des joueurs. Car oui, le jeu est ultra fun et addictif, et on enchaîne les niveaux sans même s'en rendre compte, et ce, qu'on perde ou qu'on gagne. En prime, un second joueur peut se joindre à la fête pour de très amusantes parties en coopération avec des blocs expédiés par l'un des deux participants qui peuvent assommer l'autre. Autant dire qu'avec une telle caractéristique, le soft proposera son lot de disputes rocambolesques tout au long de la partie. Sur un plan technique, on n'est clairement pas au même niveau que les deux précédents jeux de cette vidéo, avec un rendu visuel beaucoup plus simple qui a pour avantage d'offrir une parfaite lisibilité, indispensable dans un puzzle game, et une fluidité du même acabit malgré des ennemis souvent très nombreux à l'écran. Alors le jeu est pas pour autant laid, hein, attention, il est doté d'une patte graphique très attachante avec ses animations rigolotes et sa jolie palette de couleurs, en offrant même régulièrement quelques cutscenes parfaitement dans le ton kawaii de l'ensemble. Côté sonore, la bande son se limite à quelques musique répétée en boucle au fil des stages et qui, au bout d'une petite demi-heure de jeu, vous resteront dans la tête pendant le reste de la journée, voire plus. Les bruitages remplissent quant à eux leur office en accompagnant l'action comme il faut. Bref, on n'est pas dans une claque graphique comparable à Midnight Wanderers, mais Dontpeul se montre plus que correct pour un puzzle game. Arrivé à ce stade de la vidéo, j'aurais bien aimé pouvoir vous faire une petite revue de presse, mais malheureusement, comme c'est souvent le cas quand on parle d'arcade, j'ai pas réussi à trouver des tests dans les magazines d'époque. Et pourtant, c'est pas faute d'avoir cherché en français à l'étranger, hein. Le seul article sur lequel j'ai réussi à mettre la main provenait du numéro 12 de Player One, daté de septembre 91, et contenait un très court topo traitant uniquement de Midnight Wanderers. Pas de notation, mais un avis globalement très positif qui mettait en évidence les inspirations du titre, en l'occurrence Magic Sword, Ghouls and Ghosts et Strider. L'article se terminait par un ultime compliment sur les graphismes, reconnu comme étant très proche des dessins animés de Walt Disney. Difficile d'être en désaccord sur ce point avec son auteur Wonderfrapp. En revanche, le voir écrire que le jeu était relativement facile, on va dire que tout dépend du sens qu'on attribue au mot relativement. Moins difficile que Ghouls and Ghosts, certainement, mais bon, mettre le mot facile dans un article sur Midnight Wanderers, je dois bien reconnaître que ça m'a un peu fait grincer des dents. En tout cas, même s'il est peut-être un petit peu excessif de qualifier ces trois jeux de trois merveilles, on est face à une superbe compilation. Alors personnellement, j'ai quand même une grosse préférence pour Midnight Wanderers, qui pour moi est quasiment parfait, mais Chariot est excellent lui aussi, et Dontpeul très sympathique aussi à jouer, même si un petit peu pompé, on l'a vu sur la concurrence d'il y a quelques années. Bref, il y a vraiment moyen de passer beaucoup de bon temps sur ces trois jeux, que vous recherchez le One Credit, et là vous allez galérer pour y arriver, puisque le challenge offert par les trois titres est quand même assez important, donc il va vous falloir beaucoup d'entraînement pour atteindre votre objectif, ou tout simplement pour faire des parties entre amis, hein, puisque les trois jeux ont un mode de joueur, et au niveau convivialité, bah c'est plutôt pas mal. Trois jeux vraiment sympas, donc, qui sont pas les plus connus hein, de la ludothèque Capcom, donc ça me paraissait intéressant de les remettre un petit peu en lumière, pour pourquoi pas vous donner l'envie de les essayer, d'autant que leur destin ne s'est pas arrêté à cette première apparition sur les bornes d'arcade.
Eh oui, après être resté en sommeil pendant presque une décennie, les Trois Merveilles ont fini par débarquer en 98 sur PlayStation et Saturn sous la forme d'une adaptation destinée à l'archipel nippon. Cette déclinaison console fut commercialisée par Exing Entertainment dans sa collection Arcade Gears, qui comportait dans ses rangs quelques titres en provenance des salles enfumées adaptées à destination de nos salons. La gamme commença en 97 avec le Pulirula de Taito qui s'exporta sur PlayStation et Saturn, avant de continuer la même année avec un autre titre du même constructeur, en l'occurrence le Shoot'em Up Gun Frontier, qui n'intégra quant à lui que la ludothèque de la 32 bits de Sega. Puis, en 98, donc, on eut droit à Wondersway et à une compilation regroupant deux titres d'Aerie, en l'occurrence Image Fight et X-Multiply. Autre particularité de la série Arcade Gears, les trois premières adaptations citées étaient accompagnées, en plus du traditionnel manuel, d'un petit livret supplémentaire qui faisait office de guide et était conçu par Gamest, un magazine japonais aujourd'hui disparu qui était dédié à l'arcade. Mais trêve de digression, on s'attaque tout de suite à cette version console de Wondersway en nous attardant tout d'abord sur la déclinaison PlayStation et en commençant par les éléments communs aux trois jeux. Premier constat dès le lancement du disque, les introductions ont été placées différemment. En arcade, vous pouviez profiter de l'intro de Midnight Wanderers avant d'enchaîner sur une démo de ce même jeu, puis une autre de Chariot, une troisième de Don't Pull, et une nouvelle séquence de démo de Midnight Wanderers pour enfin avoir droit à la cinématique introduisant le second jeu. Un enchaînement qui se reproduisait encore pour donner accès au mini-tuto qui faisait office de prélude à Don't Pull. Sur console, il fut décidé de jouer la carte de la fluidité en n'obligeant pas le joueur à suivre tout un cycle pour pouvoir bénéficier de la cinématique suivante. Second constat, chaque jeu bénéficie de l'ajout d'un menu d'options offrant la possibilité de sauvegarder ses scores, de profiter d'un sound test permettant d'écouter les bruitages et musiques du jeu concerné, et surtout de régler le niveau de difficulté tout en paramétrant le nombre de vies et de continues. Une bonne manière de rendre le tout un peu plus accessible pour le commun des mortels. Bien évidemment, le passage au support CD-ROM s'accompagne de quelques désagréments supplémentaires, à commencer par des temps de chargement entre les niveaux qu'on retrouve surtout dans Midnight Wanderers. Rien de catastrophique, certes, mais quand même une grosse différence par rapport à l'arcade qui offrait des transitions bien plus rapides. Ce constat s'applique aussi aux musiques qui s'enchaînaient de manière très fluide sur la déclinaison d'origine, mais qui sont sur console coupées de manière assez brusque en fin de piste avant de reprendre. Je vous laisse écouter ça, et vous allez voir, la différence est quand même assez flagrante. Maintenant qu'on a évoqué les généralités, on va s'attarder un peu plus en détail sur chacun des trois jeux, à commencer par Midnight Wanderers. Première petite précision, je vous vois venir, non, le titre du jeu n'a pas changé d'une version à l'autre. Simplement, toutes les captures arcade que vous avez vues jusqu'ici provenaient de la version anglaise du jeu, mais dans la version japonaise, le soft était déjà intitulé Roosters. La première chose qui saute forcément aux yeux dès le début de la partie, c'est le côté moins fin des graphismes, bien que le tout demeure finalement assez proche et sans coupe importante sur un plan purement visuel. En revanche, c'est bien au niveau de l'animation que les différences sont les plus marquées, puisqu'on note régulièrement la disparition de frames d'animation, notamment sur le personnage lorsqu'il tire des flèches une fois qu'il a perdu ses vêtements. La chose devient encore plus évidente sur certains boss, à l'image de celui du premier stage dont les déplacements sont bien plus saccadés sur console qu'en arcade. Face au boss du niveau 2-2, c'est dans l'environnement qu'on constate une différence, avec les engrenages du vaisseau sur lequel se déroule le combat qui ont beaucoup perdu en fluidité à l'occasion du processus d'adaptation. Même chose au troisième level, dans ces séquences où vous devez fuir pendant que le sol s'effondre sous vos pieds, où les animations d'effondrement perdent grandement en qualité dans la version console. On constate la même différence dans les mouvements de l'eau du niveau 2, nettement plus saccadé sur PlayStation. Mais la 32 bits de Sony offre également quelques détails supplémentaires en de rares occasions, comme par exemple les bulles remontant dans l'eau au cours de la seconde partie de ce même niveau 2, et qui semble annoncer l'arrivée prochaine du boss. On abandonne le côté animation pour insister un peu plus encore sur les décors qui ont eux aussi subi quelques coupes minimes. Le début du troisième level laissait apparaître en arrière-plan un bâtiment en forme de dôme dans la version arcade qui a disparu dans le processus d'adaptation. Mais plus généralement, on note surtout un cadrage légèrement différent qui nous fait monter beaucoup plus vite dans les nuages sur PlayStation, alors que la mouture originale nous laissait admirer plus longtemps les environnements urbains en arrière-plan. Un petit décalage se confirmant par la suite dans ce même stage qui globalement nous montre beaucoup moins de choses sur console que ce soit dans sa première ou sa seconde partie. D'ailleurs, puisqu'on évoque le cadrage, les éléments d'interface sont placés un peu moins proches des bords de l'écran sur PlayStation.
un simple détail la plupart du temps, mais en de très rares occasions, notamment au début de l'aventure, vous pourrez vous retrouver avec votre personnage caché par ces éléments, ce qui gênera légèrement la lisibilité. Dans le registre des modifications impactant le gameplay, le combat contre le boss de fin de niveau 1 vous place dans un environnement où les tas de rondins vous permettant de monter à l'étage supérieur sont pour certains placés de manière légèrement différente en fonction de la version. Un élément à prendre en compte, hein, sous peine de subir la furie du boss de plein fouet sans pouvoir fuir. Enfin, je termine avec quelques bricoles sans importance, comme le changement de couleur du texte présentant le boss qui passe de blanc en arcade à rouge sur PlayStation, le boss de fin dont l'animation lorsqu'il crache du feu change en fonction de la version, ou encore les coffres volants à dégommer pour récupérer des bonus qui sont plus gros sur la mouture dédiée à la machine de Sony. Et voilà pour Midnight Wanderers alias Roosters. Sur chariot, quelques petites modifications également à signaler. Jeu un peu moins beau évidemment, mais aussi dans la plupart des niveaux un décalage dans la synchronisation entre le premier plan et l'arrière-plan qui change un peu la perspective qu'on a de l'ensemble. Ça saute aux yeux dès le premier niveau où les éléments de décor sont identiques mais placés différemment, et ça se confirme dans les stages 4, 5 et 6 où ce décalage devient encore plus évident. Quelques boss ont aussi été modifiés à l'image des gémeaux du stage 3 dont l'animation de la ceinture, dès le début du combat, se montre immédiatement plus détaillée dans la version arcade que dans son pendant console. Au fil de l'affrontement, la dégradation de l'apparence du boss est elle aussi plus soignée sur la déclinaison d'origine, notamment quand on prête attention aux mains levées et aux pieds des deux personnages qui perdent leur œil pour devenir une espèce de griffe informe dans la version d'origine, mais demeure inchangée sur PlayStation. Leur autre bras est assez différent lui aussi, devenant totalement informe en arcade et plus distinct sur PS1. Enfin, le boss de fin est doté d'animations beaucoup plus fluides sur la borne, a fortiori quand on prête attention à ses mains dont les doigts sont en mouvement alors qu'ils demeurent immobiles sur console. Au crédit de la PlayStation, on note quand même des effets de lumière plus tranchants et donc plus visibles dans les stages spatiaux. Et je termine avec Dontpeul, sur lequel j'ai rien à dire. Hormis les éléments communs aux trois jeux que j'ai déjà mentionnés en préambule, temps de chargement, tout ça, le soft sur PlayStation est quasiment une copie conforme. Pas forcément très étonnant, sachant qu'il était assez sobre dans sa version d'origine, ce qui a permis de réaliser une adaptation très proche de l'arcade sans trop de difficultés. Vous remarquerez que jusqu'ici, j'ai surtout parlé de la PlayStation pour la simple raison que la version Saturn est pour ainsi dire identique. Eh oui, malheureusement, les développeurs en charge du développement de cette adaptation n'ont pas inclus de prise en charge du RAM pack qui, même optionnel, aurait peut-être permis de régler quelques petits soucis comme les temps de chargement. Mais attention, malgré tout, cette adaptation, quel que soit son support, s'avère d'une grande qualité. Pas au niveau de la version arcade, certes, mais les quelques petites faiblesses par rapport à cette dernière ne nuisent aucunement au fun ressenti manette en main, d'autant que la possibilité de baisser la difficulté permet d'ouvrir nos trois merveilles à un plus large public. Bon alors par contre, s'il y a une chose qui va tout de suite empêcher le grand public d'y accéder, c'est le prix. Eh oui, en 2022, comptez pas mettre la main sur ces deux versions sans débourser entre 200 et 300 euros minimum. Sympa l'inflation pour un jeu qui valait à l'époque aux alentours de 6 000 yens sur Saturn, soit moins de 50 euros. Mais rassurez-vous, en 2022, et sans même parler de l'émulation, il y a d'autres manières beaucoup moins coûteuses de jouer à Three Wonders. La première, c'est la compilation Capcom Classics Collection Volume 2, commercialisée sur PlayStation 2 et Xbox en 2006 aux États-Unis et l'année suivante en Europe, enfin pour la version PS2, puisque la Xbox est restée cantonnée à l'Amérique du Nord. Une galette que vous pouvez facilement trouver de nos jours pour quelques dizaines d'euros et qui contient 20 jeux arcade de Capcom, parmi lesquels Magic Sword, dont on a déjà parlé il y a peu de temps sur la chaîne, 1941, Strider, Street Fighter 1er du nom, Super Street Fighter 2 Turbo, et évidemment Three Wonders. Bonne nouvelle, les personnes en charge de cette compilation ont pris le parti de se baser sur la version arcade d'origine et non pas sur l'adaptation PlayStation de 98. Résultat, un portage arcade perfect avec tout juste un seul et unique temps de chargement au lancement du jeu choisi dans la compile. Et finalement, c'est assez logique. Compte tenu de la capacité de la PS2 en termes de mémoire vive, avec ses 32 mégas de RAM contre 1 méga pour sa grande sœur, on imagine bien que le monolithe noir n'avait aucune difficulté à charger l'intégralité du jeu sélectionné pour pas avoir recours au disque en pleine partie. Portage arcade perfect donc, mais avec quelques petits bonus en prime.
Le premier, c'est un écran d'options qui permet de régler la difficulté automatiquement en utilisant les pré-réglages proposés par le soft, ou en agissant manuellement sur différents paramètres comme le nombre de vies ou de continues. D'ailleurs, pour ce dernier réglage, vous avez le choix entre 0 et infini. Pas de juste milieu avec Capcom. Mais vous pouvez aussi agir sur la taille de l'écran, le volume des musiques et des bruitages, et même remapper vos touches à votre convenance. Des possibilités très très nombreuses, bien plus en tout cas que dans la version console 32 bits du soft. Enfin, chaque jeu, dont Three Wonders fait partie, vous offre des bonus à débloquer. En finissant l'un des trois jeux, vous aurez accès à une série d'artworks, des astuces à consulter en jouant à chacun des trois titres, et enfin des musiques à écouter en bouclant ces mêmes jeux. Ah là là, époque bénie où il suffisait de passer du temps sur un jeu pour débloquer des choses, et où les DLC payants ou autres cochonneries de NFT n'existaient pas. Bref, autant vous dire que compte tenu de son prix et du nombre de jeux accessibles, ce Capcom Classics Collection Volume 2 s'avère être un excellent investissement et sûrement la meilleure manière de jouer à Three Wonders en 2022. Ou peut-être pas, car si vous préférez vous tourner vers une utilisation nomade, il existe également une solution pour vous qui s'appelle Capcom Classics Collection Remixed. Cette compilation sortie sur PSP en 2006 est un peu l'équivalent de celle qu'on vient d'évoquer sur PS2, même si on note quelques rares différences dans le catalogue proposé et une interface modifiée. Three Wonders, en tout cas, est bel et bien là et peut désormais être emmené partout dans la poche des joueurs avec en prime des réglages vidéo qui permettent de jouer en 16/9 sur le superbe écran de la console. Mieux encore, le mode multijoueur n'a pas été oublié et permet de connecter facilement deux PSP ensemble via le Wi-Fi pour rejoindre la partie d'un autre, quasiment comme cela se ferait en local, que ce soit sur une borne ou sur la PlayStation 2. Hormis ça, pas grand chose d'autre à signaler. Tous les réglages et bonus déjà mentionnés pour la version de salon sont toujours de la partie. Ah si, un dernier détail, cette compilation PSP est trouvable encore plus facilement que son équivalent PS2 pour un prix n'excédant généralement pas les 30€ en complet. Et vous vous doutez bien qu'à ce prix, bah y a aucune raison de se priver. Hein. Allez, pour finir, je vous propose en bonus quelques petits easter eggs qui montrent l'affection portée à Three Wonders, et particulièrement Midnight Wanderers, par les équipes de Capcom. On débute en s'attaquant à Marvel vs Capcom, célèbre crossover de la firme, sorti en 98 dans les salles d'arcade et adapté par la suite sur plusieurs plateformes comme la Dreamcast et la PS2. L'un des traits de gameplay de ce titre consistait, en plus de sélectionner deux personnages dans son équipe, à attribuer aléatoirement au joueur un personnage de support auquel il pouvait faire appel un nombre limité de fois pendant le combat. Eh bien, parmi le panel d'invités, au milieu des Cyclopes, Magneto, Tornade, Colossus ou Thor, on retrouve un certain Lou, le héros de Midnight Wonder. Le second clin d'œil que j'ai à vous proposer concerne cette fois-ci Adventure Quiz Capcom World 2, un titre sorti en 92 exclusivement au Japon et consistant en une sorte de mélange entre jeux de plateau et quiz. Forcément, beaucoup de caméos de personnages connus de la marque en provenance de jeux comme Street Fighter 2, Mega Man, Strider ou Final Fight. Mais aussi quelques-uns qui puisent leur origine dans Three Wonders, à l'image du boss de fin de Midnight Wanderers ou du lapin de Don't Pull qui font tous les deux une apparition. Selon certaines sources que j'ai trouvées pendant mes recherches, il y aurait aussi les Gémeaux, boss du niveau 3 de Chariot, mais là pour le coup j'ai pas pu le vérifier. On pourrait aussi citer Cannon Spike, jeu d'action de Capcom sorti sur borne en 2000 avant d'être adapté sur Dreamcast dans la foulée, et où Shiba Shintaro, l'un des personnages jouables, est une version modifiée de Siva, l'un des deux héros de Midnight Wanderers. Enfin, le tactical RPG Capcom Super League Online, qui avait bénéficié d'une bêta fermée fin 2018 avant d'être annulé l'année suivante, piochait allègrement dans les jeux de l'entreprise pour constituer son casting et voyait une fois encore Lou côtoyer Jill Valentine, Mega Man, Ryu ou Cody, pour n'en citer que quelques. On est donc bien d'accord que Three Wonders n'est pas le jeu le plus connu de Capcom, et pourtant, pour un œil attentif, il est facile de trouver de multiples références à ces personnages dans le catalogue de l'éditeur. Et voilà, maintenant vous en savez autant que moi sur Three Wonders. Alors vous aurez compris, je pense que ces trois jeux-là, je vous les recommande très chaudement. De ce que j'ai pu voir dans mes recherches, la compilation n'a pas été très largement diffusée à l'époque en arcade, donc on n'est pas sur les jeux les plus connus de chez Capcom, et pourtant chacun a vraiment de grosses qualités, chacun dans leur registre évidemment, ce qui représente une magnifique démonstration du savoir-faire de Capcom dans ses différents domaines, à part peut-être Don't Pull qui a tout de même, on va dire, recyclé un principe préexistant.
Et le gros avantage de ces jeux-là, ce qui n'est pas le cas de toutes les productions arcade de chez Capcom, c'est que vous pouvez y jouer relativement facilement. Alors évidemment, sans parler des versions PlayStation et Saturn qui sont quand même très difficiles à trouver et qui vont vous coûter un bras, aujourd'hui il est quand même assez facile de mettre la main sur le jeu au travers des compilations PS2 et PSP dont je vous ai parlé dans la vidéo, et surtout d'y jouer dans des portages arcade perfect, donc vraiment dans les conditions d'arcade de l'époque. Du coup, bah, il n'y a aucune raison de vous en priver, hein, que ça soit en solo, à deux joueurs, dans votre salon, en nomade, vous avez tellement de manières qui vous sont proposées pour y jouer, sans même parler de l'émulation, que vous n'avez plus d'excuses si vous êtes fan de l'arcade des années 90. Voilà, je vous laisse sur ces bonnes paroles, j'espère que la vidéo vous a plu, je vous remercie d'être resté jusqu'au bout, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Allez, salut !